Cette fois-ci, on est parti. Alors, on écarte les genoux. Les deux gros doigts de pied se touchent. On tend les bras loin devant, aussi loin qu'on peut. On relâche la tête. Elle peut toucher le tapis ou pas. Si elle ne touche pas le tapis, vous pouvez prendre une brique et mettre la tête sur la brique. Comme ça. Et vous commencez à respirer par le nez. Gonflez le ventre à chaque inspiration. Relâchez le ventre, relâchez le visage. On commence à essayer d'allonger les inspirations et les expirations. Essayez d'allonger plus le dos, de grappiller quelques millimètres en avant avec mes doigts et de bien pousser les fesses en arrière. Prochaine inspiration, on relève un peu la tête. Et on va passer à quatre pattes. On met les mains en dessous des épaules, les genoux, largeur des hanches. Inspire, relâche le ventre, regarde vers le haut. Expire par le nez, rentre le ventre, rentre le menton. Inspire, la vache. Expire, chat. Pousse dans le sol avec les mains, écarte les omoplates. Tends les bras à flou. Inspire, relâche. Expire par le nez. Inspire. Dernière fois, expire. Arrondi au maximum, rentre bien le coccyx, rentre le ventre. Et on revient en position neutre, le dos à peu près plat. On va tendre la jambe droite vers l'arrière. Essayez de garder les deux hanches au même niveau, rentrez le ventre. Relâchez pas le bas du dos cette fois-ci, regardez le sol. Si vous êtes à l'aise, vous levez le bras gauche vers l'oreille et vous regardez toujours le sol. On maintient la position. Inspire le nombril. Si c'est trop dur, on repose la main au sol. En expirant, cette fois-ci, on va fléchir le genou vers le nombril et le coude aussi, on rentre la tête. On arrondit tout et on croise coude-genou. On inspire, on allonge. On expire, on croise. Et on arrondit. Regarde vers l'arrière. Inspire, allonge, regarde au sol. Expire. Encore deux fois. Inspire. Expire, contracte maximum les abdos. Inspire. Expire. Inspire. Et repose au sol la main et le genou. On va faire la même chose de l'autre côté. On tend la jambe gauche. Ça peut se faire avec uniquement la jambe. Hein. C'est trop difficile avec bras et jambes. On pousse dans le sol avec ses mains. On rentre le ventre. Les deux hanches au même niveau. Et je tends les bras droits vers l'oreille. Regarde le sol. Allez, on essaye de se concentrer sur sa respiration.
Inspire. Expire, croise. Inspire. Expire. Inspire. Expire, arrondis. Encore deux fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire et repose. Cette fois-ci, on va mettre la main gauche un peu plus au centre. D'accord ? On va ouvrir en inspirant le bras droit vers le haut. Et en expirant, on vient passer le bras sous le bras gauche. On va venir mettre la tête au sol sur l'oreille droite. On reste comme ça. La paume de main droite orientée vers le plafond. Alors, le bras gauche, soit il est fléchi, soit le coude il est au sol. Vous pouvez aussi tendre le bras gauche devant. Relâchez le ventre. Dernière expiration. Alors, on va inspirer, on va ramener la main gauche vers le visage. On va pousser avec sa main gauche. Et on repart avec le bras droit vers le ciel. En inspirant et on relâche, on expire. On repose la main droite un peu au centre. Inspire, bras gauche vers le haut. Expire, on descend, on croise par le en dessous du bras droit. On pose l'oreille gauche au sol. Soit on garde le bras fléchi ou le coude au sol ou le bras tendu devant. Relâchez bien le ventre quand vous inspirez, quand vous expirez. Il n'y a pas trop d'efforts à fournir. Évidemment, si c'est une posture qui vous fait mal ou que ce soit, vous arrêtez, vous venez en posture de l'enfant. Dernière expiration. On vient mettre le bras, la main droite à côté du visage. Inspire, monte le bras gauche vers le haut. Expire, on repose. On recule un petit peu sur son tapis. Les bras loin devant, enfin les mains plutôt. Essayez de garder vos cuisses verticales. On va pas être comme ça. Et vous poussez vos épaules vers le sol. Vous pouvez poser la tête au sol ou pas. On garde les mains, largeur des épaules. Alors, dans cette posture, si vous arrivez à contracter le périnée en inspirant, c'est pas mal. Là, c'est pareil, sur cette posture, vous pouvez prendre une brique et la mettre sous la tête, enfin sous le front, si jamais c'est trop douloureux. Vous pouvez la mettre au sol ou alors qu'elle n'arrive pas à toucher le sol. Prochaine inspiration, on appuie sur les mains, on repasse à quatre pattes, on recule ses mains. Ok. Et puis là, on va venir se mettre à plat ventre. On va faire le sphinx, posture pour renforcer le dos. Celle-là, j'aime beaucoup. Donc, on met les coudes sous les épaules, les doigts, les mains très écartées. D'accord, j'attrape le tapis avec mes mains.
On décolle les rotules, donc on contracte les cuisses. Inspire, grandis le dos, chope le tapis, tire en arrière avec les bras et regarde vers l'avant. On sort la tête des épaules et on contracte bien ses jambes, ça ses cuisses. Pour faire de l'espace entre les vertèbres. Surtout les vertèbres lombaires, vous écartez les côtes du bassin. Et on allonge les respirations. Relâchez la posture. On va écarter les bras sur chaque côté et on va se mettre sur les bouts des doigts. Et on met les coudes en direction du plafond. Voilà. Les mains sont à peu près à la hauteur de la poitrine. Hein, d'accord ? On va pousser sur ses doigts, on va lever un petit peu le buste. D'accord ? Sans exagérer. Et on va pousser épaule gauche vers le sol. Juste épaule gauche. Et je regarde vers la gauche. Étirement de l'épaule gauche. Gardez les deux coudes vers le haut et on est toujours sur les bouts de doigts. Vous pouvez décoller vos rotules aussi. Inspire, repasse par le centre, décolle un petit peu le buste. Expire, on pousse l'épaule droite en direction du sol, les deux coudes en haut. Regardez vers droite, gauche, enfin bon, bref. Je fais exactement l'inverse de ce que je dis, mais bon, l'essentiel, c'est de faire les deux côtés. Hein. Contractez les cuisses. Inspire, remonte le buste et relâche tout doucement. On va mettre les bras à plat. On va garder le bras droit à plat pour le main au sol. On va venir mettre la main gauche sur le côté. On va pousser avec sa main gauche. Et en fait, on va tourner le corps en arrière. Hop, et je passe ma jambe gauche vers l'arrière. On garde la tête au sol. Donc ça, c'est un étirement intense de l'épaule. Si vous sentez une douleur au niveau des lombaires, au niveau de l'épaule, au niveau de, des cervicales, vous revenez à plat ventre. Pour moi, c'est assez simple, mais ce n'est pas simple pour tout le monde. La jambe droite, elle est relâchée. Hein. Prochaine, expire, on revient à plat ventre, doucement. On tend le bras gauche, pour le coup, à gauche. On fléchit le bras droit, on pousse sur la main droite, on met l'oreille gauche sur le tapis et on roule son corps vers l'arrière. Moi, je mets le pied droit au sol derrière. Relâchez la jambe gauche. Relâchez le ventre quand vous inspirez. Prochaine expiration, revenez dans le ventre. On va passer à quatre pattes. On va retourner les doigts de pied. On écarte bien ses doigts. On met les mains à la largeur des épaules. Et Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Gardez les genoux fléchis. Poussez dans les bras pour allonger bras et dos. Et si jamais votre chien tête en bas, il ressemble à un truc comme ça, et bien, il vaut mieux fléchir les jambes et puis pousser les fesses vers le haut.
Alors, on va faire droite et gauche. On pousse les talons droit, talons gauche. On alterne vers le tapis. Relâchez la tête. Regardez entre les pieds. Toute la paume de main, elle est bien, bien, bien aplatie sur le tapis. Sentez bien vos ancrages. Là, les mains, les pieds, c'est hyper important. Vous regardez vers l'avant. On va marcher un petit peu. On va faire deux, trois petits pas. Gardez les pieds parallèles, fléchissez les genoux, posez votre ventre sur vos cuisses. Gardez les doigts au sol ou attrapez vos coudes. Le poids du corps, il est vers les orteils plutôt. Relâchez à chaque expiration un peu plus. Relâchez les coudes et vous déroulez la colonne. Jusqu'en haut. On roule les épaules en arrière. Plusieurs fois. Et on va aller à l'avant du tapis. Alors, pas trop. Enfin, il faut que vous gardiez un petit espace. Alors, si vous avez des briques, hop. Donc, moi, vu l'état de mes ischio-jambiers, hop, ça va être comme ça. Je vous montre la posture avant, d'accord ? En gros, on va faire ça, hein. On va pousser un petit peu en arrière. On va poser un bras, la main au sol, et on va ouvrir comme ça, une torsion comme ça, d'accord ? Avec le dos le plus droit possible. Donc, vous, si vous avez besoin d'avoir vos briques comme ça, ou même comme ça, vous vous organisez, quoi. C'est vous qui trouvez votre truc, votre confort. Hein. Sinon, ça peut se faire aussi main au sol. N'est-ce pas ? Moi, ça ne va pas être le cas. Donc, les pieds largeur des hanches. Hop. Hop. On est debout en Tadasana. Contractez un petit peu les cuisses. Mettez les mains à la taille. Inspire. Expire, on essaye de garder les jambes tendues, mais si ça fait chier, eh bien ça fait chier, hein, c'est très grave. On pose une main, moi j'ai pris la main gauche, et là on sent, ça brille, d'accord, on prend appui, on pousse avec son bras, d'accord, et on pousse les fesses comme ça vers l'arrière pour allonger le dos, regard au sol, d'accord, inspire, monte le bras gauche, enfin droit, vers le haut. C'est pas grave. Regard vers le haut. Contractez les cuisses. Poids du corps un peu plus sur l'avant, pas trop en arrière. Prochaine expiration, vous redescendez. Et là, on change tout de suite. On pose la main droite sur les briques ou au sol, hein, comme vous voulez. Inspire, monte le bras gauche, pousse le coccyx vers le haut, rentre un petit peu le ventre, regarde vers la main qui est en haut. Et là, on peut ajuster au niveau du poids du corps. Vous voyez, moi, je suis un peu trop en arrière. Là, hop, je repasse le poids du corps un peu plus vers mes orteils. Vous pouvez relâcher. Vous pouvez enlever les briques. Hop. Mettre les mains à la taille et redresser le buste jusqu'en haut. On va serrer les doigts de pied. On va écarter un petit peu les talons. D'accord ? Pied, l'extérieur du pied parallèle. On va mettre les mains. On va mettre les mains en namasté. Enfin, on va serrer les mains, namasté. On va faire Uttanasana et on va mettre une torsion, donc Parivrita. Donc, on inspire. On expire, on descend. On pousse les fesses en arrière. Et là, en fait, ce que j'aimerais, c'est pencher un peu plus le buste en avant. Voilà. Les genoux, ils sont au-dessus des doigts de pied. Et là, avec le coude gauche, on va chercher l'extérieur de la cuisse droite.
On garde les mains au niveau de la poitrine où on peut. Et on regarde le coude qui est derrière. Allongez le dos. Essayez de garder les deux genoux au même niveau. Alors, une fois que vous êtes dans la posture, vous pouvez essayer de fléchir un peu plus, en descendant un peu les fesses, sans avancer trop les genoux. Si c'est trop difficile, on lève un peu plus les fesses. Allongez la nuque. Prochaine inspiration, vous regardez le sol, vous défaites la torsion et vous remontez doucement, 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 doucement. Vous ne faites pas enchaîner les deux côtés. Hein. Reprenez un souffle. Expire, réfléchis. On penche un peu plus son buste et on va mettre son coude gauche, enfin droit, pardon, à l'extérieur de la cuisse gauche. Et on regarde le coude arrière. Allonge la nuque, rentre un peu le menton. Et essaye d'avoir tes deux genoux d'un côté de l'autre. Prochaine. Inspire, regarde le sol. Les mains à la taille, remonte. Inspire vers le haut. Expire vers le bas. Pose tes bouts de doigts au sol. Inspire, remonte le dos plat. Expire, fléchis les jambes, pose tes mains et on passe tout de suite en Adho Mukha Svanasana. Et on tient tête en bas. On reste ici encore deux respirations. Pousse tes fesses vers le haut, quitte à fléchir les genoux. On privilégie d'avoir un dos plat, enfin plat, un peu plus droit, que trop de poids sur les épaules et les mains. On va poser les genoux au sol. Voilà. On va poser les dos des pieds au sol. On va redresser le buste. Voilà. Et on va mettre un pied devant. Je vous la fais en douceur. Hein. Par étapes. Alors, on va faire Anjaneyasana, mais une petite variante. Donc, on inspire. On expire. On pousse le bassin vers le sol. Essayez d'avoir les hanches bien face, hein, de côté. Et là, les bras... En fait, on va attraper les coudes derrière et sortir la poitrine. Regardez légèrement vers le haut. Et si vous êtes à l'aise comme ça, on peut essayer de crocheter les mains et de sortir encore plus la poitrine, mais rentrer un petit peu les épaules. Vous voyez, on n'écrase pas les deux omoplates l'une contre l'autre, on ramène un peu les épaules. Si ce n'est pas possible, on garde les mains sur les coudes. Poussez le hanche vers le sol, regarde vers le haut légèrement. Sors la poitrine au maximum. Prochaine inspiration, vous relâchez la posture, surtout les mains. Voilà. La main droite là sur la cuisse, main gauche, bras gauche vers le haut. On vient mettre le coude à l'extérieur. Et on refait une petite torsion comme ça avec les mains. On amasse. On regarde le coude derrière. Dernière expiration. Inspire, relâche la posture. Pose les deux mains au sol. Crochète le doigt de pied derrière. Et repasse en Adho Mukha Svanasana. On repasse à genoux.
On redresse le buste. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Pied gauche devant. Inspire. Expire, pousse le bassin vers le sol. Garde les deux hanches. D'accord ? Si vous avez tendance un peu à cambrer, ce n'est pas très grave. C'est une flexion arrière, de toute façon, cette posture. Les bras, soit sur les coudes, enfin, les mains sur les coudes, d'accord ? Mais ce qui est important de faire, là, c'est sortir la poitrine, d'accord ? Ou on essaye de crocheter ses mains, de monter et de sortir encore plus la poitrine. Amenez un peu les épaules en avant. Et poussez le bassin vers le sol. Serrez les cuisses au centre. Ça permet de gagner en stabilité. Inspire, relâche. Main gauche sur la cuisse. Inspire, grandis. Expire, on vient avec le coude à l'extérieur de la cuisse. Les mains namasté et on reste. Essayez de faire attention à ce que le genou devant ne rentre pas trop à l'intérieur. Poussez avec votre jambe sur votre coude. D'accord ? C'est une opposition, un coup de jambe. Prochaine inspiration, vous regardez au sol. Vous posez délicatement les mains par terre. Vous crochetez le pied derrière et vous retassez en chien tête en haut. Tête en bas. Tout va bien. Tout va très, très, très bien. On regarde à l'avant de son tapis, on marche, on arrive à l'avant de son tapis. On inspire, on expire vers le bas. On inspire, on déroule le dos, les bras vers le haut. Et expire, on revient au Tadasana. On fait un grand pas en arrière. Voilà, on tourne le pied droit vers l'arrière du tapis. Et là, on va se mettre sur demi-pointe derrière. On va faire une fente comme ça, mais juste sur demi-pointe. Vous voyez ? Donc, le genou devant est au-dessus de la cheville. On rentre un peu son ventre. Le bassin, il est face au petit côté du tapis. Montez les bras aux oreilles. Essayez de pousser le talon gauche vers l'arrière. Le repère, c'est que vous voyez vos doigts de pied quand même. Hein. Le genou au-dessus de la cheville. Les pieds derrière la hanche. On va poser le talon derrière. Hop. Et on va passer en guerrier 2. Poussez bien dans le tapis derrière. Ouvrez le genou. Il faut que vous puissiez voir votre gros doigt de pied. Le genou va en direction du deuxième doigt de pied. Rentrez un petit peu le ventre. Rentrez le coccyx légèrement. Retournez la main devant vers le plafond. Voilà. Et on va inverser la posture comme ça. Guerrier inversé, ça s'appelle. Regarde vers la main. On ne reste pas très longtemps. Et vous relâchez, vous tendez les deux jambes et vous repassez par la position de face, les bras, enfin les jambes écartées. Okay ? On va faire les trois postures dans l'autre sens. Donc on va tourner le pied gauche vers l'avant du tapis. On tourne le bassin hop, pour passer sur demi-pointe derrière. On fléchit la jambe devant, on ajuste un peu.
On trouve son écartement qui va bien. Le genou, il est au-dessus de la cheville et on pousse le talon vers l'arrière. Une fois qu'on est à peu près stable, on lève les bras aux oreilles. On regarde rentrer le ventre. Grandissez votre dos. Relâchez les épaules. Dernière expiration, on pose derrière le talon, hop. On ouvre la hanche, du coup on ouvre le bassin, on passe en guerrier. Le genou en direction du deuxième bas de pied, rentrez le ventre, tendez les bras dans l'axe des jambes. Le regard, il est vers le majeur. On retourne la main devant vers le plafond et on bascule le buste en arrière. On grandit, penchez un petit peu, mais par contre, n'oubliez pas de fléchir le genou devant. Prochaine expiration, vous revenez. Les mains au sol, on passe en planche, on reste un petit peu en planche, on peut mettre les genoux au sol en planche, rentrer le nombril. Et on pose les genoux. Si vous avez deux briques, vous prenez vos briques. On va s'asseoir sur les fesses, on va mettre les briques de chacun. On va faire Navasana, on va le faire trois fois. Et à chaque fois, on va utiliser les briques pour se soulever. Alors, si vous n'avez pas de briques, ben, vous mettez les mains au sol. Donc, on se met en position, on pointe les pieds au sol, d'accord? Montez le buste, vous pouvez mettre les mains derrière. Ça, c'est la posture, on va dire... Version plus facile, ou sinon il y a aussi comme ça. D'accord ? Mais là, c'est déjà un peu plus dur. Hein. Donc, nous montons les tibias, si on peut, et on met les bras de chaque côté. Sors la poitrine. Écartez votre pied, si tu peux. Pose les mains sur les briques, croise les jambes, enfin les chevilles. Et on lève tout. Ouais, ou sinon on lève que les fesses. Hein. Mais bien. On reste pas longtemps, on repose tout de suite. Et on repart en Navasana. Si ça devient trop dur, on chope le derrière les cuisses. D'accord ? Ou on pose les pieds. On croise, on décolle, on repose. Et un petit troisième point. Allez, c'est parti. À chaque fois, on reste 7 respirations. On fait déjà 3. Et 7, on pose les mains, on se lève tout si on peut, sinon que les fesses, et on repose. Magnifique, on pose les briques sur les côtés. Et on va se mettre en Dandasana, posture de référence au sol, remise à zéro, les mains de chaque côté. Je grandis le dos, je regarde vers le haut et je rentre le menton en direction de ma gorge.
Contractez légèrement les cuisses. Engagez le périnée, rentrez le nombril. Essayez d'allonger le bas du dos. D'accord ? Si vous avez besoin d'avoir une brique sous les fesses, vous pouvez. Hein. Alors, le drishti, ça s'appelle c'est le regard, hein, alors, l'orientation du regard en yoga. Normalement, c'est sur le bout du nez. Donc, en fait, on est censé loucher. Chose que j'arrive absolument pas à faire. Donc, bah, je regarde en bas, moi. Allongez votre dos au maximum. Et vous relâchez la posture. Alors, on va faire deux postures de torsion. Donc, les postures de torsion, si vous voulez être à l'aise, vous pouvez mettre une brique sous les fesses. Ou sinon, vous pouvez tenter au sol. Donc, on va fléchir les jambes et on va mettre les deux jambes fléchies, enfin les deux pieds vers l'arrière. On a déjà fait ça. Donc, il y a le tibia droit, moi, qui est par-dessus le pied gauche. Voilà. Donc, je m'installe. S'il y a la fesse droite qui décolle, ce n'est pas grave. On grandit. On va pivoter le buste vers la gauche. D'accord ? On va venir mettre la main droite vers le genou gauche. Et on vient chercher quelque chose derrière. Un bout de tissu, un bout de shape-up. On regarde si on peut vers l'arrière. Donc, la première version, c'est avec la paume de main qui touche la cuisse, le genou. Si vous voulez essayer, sinon on tourne la paume de main vers l'extérieur et on passe la main sous la cuisse. Et on prend appui au sol pour tourner un peu plus. Si ce n'est pas possible d'avoir la main dans le dos derrière quelque chose, ben vous posez vos gouttes au sol. Ça peut être aussi un petit appui pour la torsion. Prochaine inspiration, vous regardez vers l'avant. Expire, relâche la posture et reviens en dandasana. Ça, c'est une posture qui n'est pas évidente. Hein. On fléchit les deux jambes de l'autre côté. Hop, cette fois-ci, j'ai le tibia ou la cheville gauche qui est sur le pied droit. Je me mets à peu près confort, je dis à peu près. Donc, si vous n'êtes vraiment pas confort comme ça, un truc génial, c'est avec la brique. Hein, ça change beaucoup de choses. Hein. Okay. La brique sous la fesse droite. Je commence à grandir mon dos, je pivote mon buste à droite. Je peux mettre ma paume de main sur ma cuisse. Et soit je garde mes bouts de doigts derrière, soit je les enveloppe. Enfin, je vais chercher quelque chose. Et on y va pour tourner. En expirant. Et on peut essayer aussi, hop, on passe la dessus de main sous la cuisse. Mais là, on est sur une note, c'est plus difficile, hein, évidemment. Ça, vous pouvez essayer de pencher le buste un peu en avant. Après, il faut prendre appui au sol pour la torsion. Prochaine inspiration, on regarde devant. Expire, relâche tout doucement la posture, étends les jambes devant. Alors, cette fois-ci, nous allons fléchir la jambe droite. Passer le pied gauche par-dessus et le mettre au sol. C'est bon ? Ensuite, on va envelopper avec son bras le genou gauche et on va regarder vers l'arrière. D'accord ? Inspire et tourne ton buste vers l'arrière. La main gauche, elle chope quelque chose derrière. Et si jamais vous avez envie d'essayer, n'est-ce pas ? On peut tourner en fait ce bras, on peut tourner vers... Vous voyez, la paume de main, elle fait comme ça. Et elle chope comme ça. Ça, c'est pour ceux qui sont
easy avec les torsions. Sinon, comme ça, c'est pas mal aussi, hein, juste comme ça. Et celui-là, c'est spécial dédicace pour ma collègue Émilie. Il est trop fort par les portions, donc on peut essayer. Prochaine, inspire, vous regardez devant. Expire, relâche tout doucement. Étends les jambes devant. Et on va faire la même de l'autre côté. Je fléchis la jambe gauche. Hop, j'amène le pied vers la fesse. Je passe mon pied droit hop, par-dessus mon genou. Donc la fesse droite est décollée, hein, évidemment. Vous pouvez tenter avec une brique. J'enveloppe le genou dans un premier temps. Et je pivote mon buste vers l'arrière. Là, après, vous voyez, après ma fesse, elle a tendance à repartir vers le sol. C'est normal. Voilà. On va faire le tour avec la main derrière. Inspire, grandis. Expire, pivote. Et là, si tu as envie d'essayer de choper tout le reste, les deux mains, en passant dans la cuisse. Moi, on a un côté qui est plus, on va dire, souple. On peut dire ça. Dernière expiration, inspire, le regard vers l'avant, expire, relâche tout doucement la posture, tends les jambes, relâche, on va fléchir, ouvrir, pousser avec ses mains, et se mettre comme ça, en malasana. Donc les pieds écartés. Si vous avez des hanches un peu raides, hop, on peut se mettre des briques sur les fesses. Sinon, on peut aussi décoller les talons dans cette posture. Les mains serrées devant, namasté, on pousse avec ses coudes sur ses genoux pour ouvrir. Regarde vers l'avant. Contracter le périnée. Sors la tête des épaules, grandis ton dos. Relâche les mains, on va mettre la main droite sur le côté au sol et on va ouvrir le bras gauche vers le haut. On reste 3 respirations. Relâche tout doucement. On fait la même chose sur le côté. Penchez bien votre buste. Allez chercher loin sur le côté. La main gauche à plat. Inspire. Ouvre vers le haut et regarde vers le haut. Et on relâche tout doucement. Hop, on s'assoit de nouveau. On resserre les genoux. On avance un peu et on va se mettre sur le dos. Ramenez les pieds vers le bassin. Largeur des hanches. On va faire le demi-pont. Les majeurs peuvent effleurer les talons. Voilà pour... la distance. Inspire, pousse avec tes mains, monte le bassin, monte le sternum, serre les genoux vers le centre. Et si tu peux, tu crochettes tes doigts et tu plaques les triceps sur le tapis, tu resserres les omoplates et tu sors encore plus le sternum. Relâche les fesses.
Dernière expiration. On relâche les mains. On relâche le bassin jusqu'au sol. On repose les fesses. Voilà. On va amener les genoux à la poitrine. Et là, on va tendre les jambes vers le plafond. Alors, tendre, en fait, c'est une posture un peu relaxation. Donc, vous pouvez fléchir un peu les genoux. Il faut bien que vos lombaires soient collés au tapis. Si vous sentez que vous avez des jambes qui partent vers l'avant, vous fléchissez un peu plus les genoux et vous ramenez pour que les lombaires collent bien au tapis. Voilà, il faut trouver la posture qui permet en fait d'avoir les jambes vers le haut, mais qui ne fait pas décoller les lombaires. Les bras sont relâchés. On reste encore 5 respirations. Là, je vous la fais faire comme ça, cette posture, elle existe comme ça, mais le top du top, c'est contre un mur. Les jambes contre un mur. C'est encore plus relax. Ça fait vraiment relâcher. Redescendez tout doucement les pieds au sol, les genoux, écarte les pieds largeur du tapis, ouvre un peu les bras et emmène les deux genoux à droite. Inspire, ramène au centre. Expire, ramène les genoux à gauche, relâchez. On inspire, on ramène au centre. On expire, on emmène à droite. Et puis après, vous allez à votre propre rythme. Dernier côté, ramène au centre. On va faire le pigeon inversé. Donc, c'est un étirement qu'on fait beaucoup quand on fait des cours de cuisse abdo-fessier. Je ne sais pas si vous le connaissez. On vient mettre la cheville gauche devant la cuisse droite. On va passer entre les jambes pour choper la cuisse ou par-dessus le tibia. D'accord ? Inspire. Expire, tu tires le tout vers la poitrine. Garde les pieds fléchis. Dernière expiration, vous relâchez, vous ramenez les deux jambes, les deux genoux l'un à côté de l'autre et vous changez de côté. La cheville droite devant la cuisse gauche, on attrape la cuisse gauche ou par-dessus le tibia. Inspire, expire, on ramène le tout vers la poitrine, on maintient cette respiration. On relâche doucement. Gardez les deux genoux à la poitrine. Mettez les bras en croix. Inspire. Expire. Fait pivoter les deux genoux à droite. Et on tourne la tête à gauche. Si vous avez envie, vous tendez la jambe du dessus. Voir les deux jambes. Sinon, vous pouvez garder les genoux fléchis. Et si vous tendez les deux jambes, vous pouvez essayer d'attraper vos gros doigts de pied. Avec la main droite.
Sinon, les genoux fléchis, c'est bien aussi. Dernière expiration, en inspirant, on fléchit les genoux sur les jambes tendues et on ramène au centre doucement. On reste ici un peu, on inspire et on expire, on fait pivoter à gauche. On tourne la tête à droite. On peut tendre la jambe droite, on peut tendre la jambe gauche ou pas. On peut choper les doigts de pied. Gonflez le ventre à l'inspiration. Détendez. Vous fléchissez les genoux si vous avez les jambes tendues. Vous ramenez au centre en inspirant. Vous attrapez vos genoux, vous tirez vers vous. Vous levez la tête, vous rapprochez le front des genoux. Et vous relâchez la tête au sol d'abord, les pieds ensuite. Et on va préparer Shavasana. Donc vous pouvez vous couvrir, vous mettre une couverture, des chaussettes, c'est ce que vous voulez. Un coussin sous les genoux aussi, c'est pas mal. Ou un petit coussin sous la tête aussi. Une fois que vous êtes couvert, vous écartez les jambes légèrement. Si ça fait mal au dos, on peut les fléchir. On se met sur le côté, comme on veut. Les bras écartés le long du corps. Les paumes de main vers le plafond. Les omoplates à plat. On prend une inspiration par le nez, on va souffler par la bouche. Inspire. Expire. On va le refaire une fois. Inspire par le nez. Expire. Et on reprend une inspiration naturelle. Par le nez. Vous relâchez la tête, le centre de la tête, le visage. Vous relâchez autour de l'estomac. Autour du bassin. Relâchez les jambes, les bras, les dos. Sentez tous les coins du corps en contact avec le sol. Profitez de ce moment de mobilité. L'immobilité, les moments d'immobilité dans la vie, il n'y a pas beaucoup. Un instant d'inaction totale.
On va commencer à bouger les doigts des mains, les doigts des pieds. Amener les bras aux oreilles, s'étirer, se grandir. Et puis fléchir les genoux doucement. Tourner sur le côté droit. Rester une respiration. Et puis, venir s'asseoir en gardant les yeux fermés. Amener les mains en Jani Mudra, serrées devant le sternum, namasté, c'est la même chose. On va faire un Om ensemble, on inspire, on remplit bien les poumons. On frotte les mains et on les pose sur le visage, les yeux et les joues. On refrotte. Et les mains sur les épaules. Jusqu'aux pieds. Et on peut ouvrir les yeux. Merci. Namaste.